answer something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking. Bonjour, bonjour les ch'tipotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un pourquoi j'ai craqué. Et ce sera pourquoi j'ai craqué pour le Mythomorphia. Ça a été le premier Kirby que j'ai acheté, il me semble. Mais voilà, c'est mon préf de tous les Kirby, je dirais. Même s'il y a encore voilà, quelques doodles dans celui-ci. Mais je me tâte en ce moment à me prendre l'Imagimorphia. Parce qu'il y a des colos dedans qui me font envie. Alors que le dernier qui est sorti, le Mythic World, il ne m'intéresse pas du tout. Je ne me vois pas colorier dedans. Je le trouve très dark. Non, je sais pas. Je me vois pas colo dedans. Donc je me le suis pas pris celui-ci. J'attends de voir l'intérieur du Alien. Voir si ma passion Kirby s'en est finie ou pas. Mais voilà, le Mythic World, j'arrive pas à me visualiser dedans, à colo dedans. Donc voilà. Alors que voilà, le Mythomorphia, j'ai aussi le World Within World, le Fragile World. Enfin voilà, ceux-là je les adore, mais le Mythic World, de toute façon on n'est pas là pour en parler de celui-ci, on est là pour parler du Mythomorphia, meuf. Alors, concentre-toi! Donc voilà, le Mythomorphia, il est trop beau. Je l'avais déjà acheté dans la version plume que j'ai donnée à mon fils dernièrement. Voilà. Et du coup, j'ai recollé dedans les colos que j'avais déjà fait dans ma précédente version. Donc là, c'est la version polonaise. Donc, le format est un petit peu plus petit, mais le papier est de meilleure qualité et beaucoup plus blanc. Donc, pourquoi j'ai craqué pour le Mythomorphia? Parce qu'il y a des illustrations qui sont juste magnifiques, sublimes, comme celle-ci. Ces doubles pages me fait très 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 envie. Voilà. Mais ça fait beaucoup d'eau. Mais bon, avec du matériel aquarellable, ça doit être relativement facile à gérer, je pense, pour que ce soit plus rapide. Mais voilà, j'adore cette double page. Donc, un jour viendra et j'aurai le courage de la faire. Celle-ci aussi, double page, est juste. Pff, oh là là. J'adore tellement ces nuages. Je sais pas. J'aime trop. Elle est trop belle. Et enfin voilà. Faire avec des couleurs pastel ou enfin, du rose, du violet, du turquoise, je sais pas. Trop beau, trop beau, trop beau. Le Kitsune, hein, lui, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire, mais je l'ai déjà vu dans plein de versions différentes et oh, il est trop beau. Donc il faudrait que je me trouve un combo, voir de quelle couleur je le ferai. Mais ouais, il est magnifique. Beaucoup de double pages hein, que j'aime, hein, hein, on est d'accord. Je sais même pas si vous voyez bien en fait. Depuis le début, je regarde mon livre au lieu de regarder ce que je filme. Désolée. Ah bah comme c'est bizarre, encore une double page. Voilà, la petite tortue. Ah, il y a Dizia qui l'a fait il y a pas longtemps et voilà. Trop beau. En plus, elle a pas mis longtemps pour le faire. Mais oui, j'aime trop. Ah oui, celui-ci aussi, Dizia qui l'a fait il y a pas longtemps. Oh non, vous allez pas faire de la perceuse ce matin. Il y a déjà assez des travaux dans la maison d'à côté là. Mais oui, il est trop haut celui-là de Kira. Mais je sais pas, pareil, quel combo je vais utiliser, dans quelle teinte je vais partir. Est-ce que c'est encore une double page que j'ai... Bah, c'en est un que j'ai fait, Ouais, celle-ci, voilà. Elle était trop belle, je voulais trop la faire et voilà, j'étais contente de la faire. Mes perles glow, elles se sont complètement aplaties.
Il est trop beau. Ben, du coup, là, c'est la. Voilà, j'ai recollé. Hein. Il est trop beau. En haut, que une double page. Voilà. Et encore sous l'eau. Mais celle-ci est magnifique. Oh, ils sont chiants. La perceuse. Je me demande ce qu'ils percent tellement souvent. Que je comprends pas comment ça se fait que les murs tiennent encore avec tout ce qu'ils ont percé. Oh, ils font chier. Fumant qu'on s'en aille. Ça se trouve, ça va pas être mieux. Enfin, bon, bref. Voilà. Mythomorphia de Kirby Rosanne. Dites-moi en commentaire si vous l'avez. Quels sont vos colos, les prefs dans celui-ci? Lesquelles vous font terriblement envie et vous font peur? Moi, c'est celle-ci, elle me fait peur. Tous ces cailloux. Enfin, là, mais bon. Après, moi, j'ai déjà fait celle-ci, donc ouais. Je devrais pas avoir peur. Mais non, il est magnifique, ce livre. Magnifique. C'est cette page-ci qui m'a causé une petite panne Kirby. Pas une panne colo, hein, mais une panne Kirby. Magnifique ce livre. Alors celle-ci, oui, j'aimerais bien la mettre en couleur aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais arrêter parce que sinon je vais faire que de le feuilleter. Hein, voilà. Donc le Mythomorphia de Kirby Rosanne, pour moi, c'est un must-have. Voilà. Faut pas se dire c'est dur, c'est du Kirby, tout ça. Non, faut essayer. De toute manière, il aide pas mal, il place pas mal d'ombre et tout ça. Donc, et avec du matériel aquarellable, c'est quand même nettement plus rapide. Mais ouais. Non. Kirby. On aime Kirby. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous les petits potes et je vous retrouve bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Me back to you.